أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc nous étions en train de parler concernant l'histoire du chiisme à l'époque de l'imam Hassan alayhi salam. Et nous avions parlé de ce que Muawiya a eu à faire avec ses troupes et ses agents. Et il faut savoir que avant la mort de l'imam Ali alayhi salam et après sa mort, une nouvelle ère va commencer pour les chiites. Pour les chiites, le massacre des chiites et que nous avons eu à aborder ce sujet-là à travers une parole qui a été rapportée par Abul Hassan al-Mada'ini, que l'auteur de Sharh ibn Nahj al-Balagha, qui est Ibn Abul Hadid, un savant sunnite qui a relaté ces faits-là dans son livre concernant l'interprétation de Nahj al-Balagha. Et nous avions relaté que tellement que ces massacres étaient trop, que cela a amené, lorsqu'on compte le nombre des gens qui ont été massacrés par les hommes de Muawiya, nous allons trouver que cela va atteindre 30 000 personnes. Donc, à propos de cela encore, Inch'Allah, tout à l'heure, je vais relater une parole de l'imam Baqir lorsqu'il parle de l'époque de l'imam Hassan, alayhi salam, ou bien après le martyr, et après le martyr de l'imam Hussein, alayhi salam. Lorsque l'imam Baqir, alayhi salam, parle de cette époque-là, vous allez trouver, ce sont ces mêmes massacres-là qui vont continuer, Et lui-même, il parle de ces massacres-là et des époques différentes. Vous savez très bien que Yazid, il a duré au pouvoir pendant combien d'années? Pendant 3 années. Et ce qui l'a amené au pouvoir aussi, c'est parce que son père, Muawiya, n'avait pas respecté le traité qui avait été signé entre lui avec l'imam Hassan alayhi salam. Et on a bien dit que c'est parce que ce traité n'a pas été respecté qui va amener, qui va conduire à la tragédie de Karbala. Donc, la tragédie de Karbala, je ne vais pas donner des détails de cela encore, puisque c'est un événement que, même si en réalité nous ne connaissons pas des détails particuliers, ou bien nous avons encore besoin de mieux comprendre l'événement de Karbala, mais il faut savoir que ce n'est pas cet événement-là seulement qui a existé ou bien qui s'est déroulé à l'époque de Yazid en tant que quoi? En tant que massacre des musulmans. Vous savez très bien, l'imam Hussein alayhi salam, c'est pas son refus de faire quoi? De faire l'allégeance à Yazid, puisque Yazid n'était en aucun cas légitime. Non seulement il n'était pas légitime, mais aussi il n'était même pas attaché au principe de l'islam. Si vous vous rappelez,
J'ai une fois parlé des nécessaires de la religion pour dire que nous avons des principes de la religion qui sont nécessaires à s'attacher à cela. Si quelqu'un parmi nous a, failli à s'attacher de l'un de ces nécessaires-là, va sortir de l'islam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il sera considéré en tant qu'un mécréant. Donc, allez-y voir l'histoire de Yazid. Qu'est-ce que Yazid a eu à faire de sa jeunesse? De sa jeunesse. Quelles sont les actions qu'il a amenées? Et n'oubliez pas aussi, lorsqu'on étudie l'aspect des Ashura, on a dit que ce sont des causes qui ont amené à Ashura. Nous ne pouvons pas relater toutes ces causes-là. Et nous ne pouvons pas connaître en réalité aussi plusieurs aspects de ces causes. Mais ce que l'histoire nous démontre, en tant que des causes historiques qui ont amené à la tragédie des Ashura, nous allons bel et bien trouver que le traité de l'imam Hassan va être, violé par Muawiya. Et de son vivant aussi, vous allez voir que cette personne, il massacrait. Il continuait à massacrer, les chiites et les partisans des chiites. Nous avons eu à relater la parole de Abul Hassan al-Mada'imi concernant cela. Mais une autre chose que Yazid a fait encore, c'était de permettre son troupe de faire des gens de Médine quoi qu'ils veulent pendant 3 jours. Pendant 3 jours, vous pouvez aller regarder le Tariq Abel Fida. Tariq Abel Fida parle de cet événement. Yazid va permettre pendant 3 jours de massacrer tous ceux qui étaient qui avaient la croyance après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qu'on devait suivre étaient qui? Étaient les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une autre tragédie aussi qui s'est déroulée dans l'histoire de l'islam et surtout l'histoire du chiisme. Et que lorsqu'on vous parle de cette tragédie-là, en réalité, ça fait, ça démontre, l'immoralité de, ces gens-là. Parce que pendant 3 jours, la ville de Médine sera, envahie par les gens de Yazid. Ils vont massacrer les hommes, les enfants, on n'en parle pas, et les femmes encore, des choses qu'on ne pouvait en réalité, on ne peut pas en réalité imaginer que cela pouvait être commis par des musulmans de cette époque-là. Donc, un point d'interrogation. Est-ce qu'en réalité, là, ils avaient la croyance en Dieu ou pas? Est-ce que ceux-là, en réalité, ils avaient la croyance au principe de la religion ou pas? Parce que ces massacres des femmes, vraiment, en réalité, si on dit on va donner des détails plus larges, ça va amener à susciter la colère pour rien. Je dis pour rien, mais parce que, en réalité, c'est un événement qui touche, qui marque beaucoup l'histoire de l'islam et que même les non-musulmans peuvent s'en servir
pour frapper l'islam avec. Ils peuvent s'en servir pour frapper l'islam avec. Mais je vais vous dire que c'est l'islam sunnite qui va être frappé, puisque l'islam chiite est toujours resté authentique et que toute hostilité, tout massacre a été contre ce groupe-là pendant les différentes époques de l'islam. Dans sa parole, Abu Mukhannaf rapporte ceci. Il dit que اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صعب فذكروا هلاك معاوية فحمدنا الله عليه فقال إن معاوية قد هلك وإن حسينا قد تقبض على القوم ببيعته وقد خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه. Dans cette parole, il parle de l'événement lorsque Mouawiya est mort et que les chiites, les partisans de l'imam Hussein et les adeptes de l'imam Hussein se sont regroupés dans la maison de Suleyman. Là-bas, ils se sont informés de la mort de Mouawiya et tout le monde a loué Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui massacrait les chiites et ceux qui étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est mort. Et il dit que Hussein a reçu l'allégeance de la communauté et qu'il est sorti de Médine en allant vers la Mecque, et que vous êtes ses partisans et les partisans de son père. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que cette parole veut dire? Et d'abord, cette parole l'avait relatée au moment de la mort de Mouawiya. Comment cela, ils étaient soulagés, hein? Puisqu'ils pouvaient penser à une nouvelle ère, une nouvelle période pour eux. Puisque ceux-là, ils étaient massacrés par Mouawiya et les agents de Mouawiya. Parce que Mouawiya avait donné, comme on appelle, l'ordre pour dire que quiconque vous allez trouver, hein, qui sera attaché aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui va rapporter, hein, l'une des vertus d'Abu Turab, qui est l'imam Ali alayhi salam, il faut lui régler son compte. Il faut lui régler son compte. Non, mais malheureusement, cela ne va pas être le cas. Cela ne va pas être le cas, puisque l'agent de Yazid qui sera, à Médine, lorsqu'il va appeler l'imam Hussein pour qu'il fasse l'allégeance à qui? À Yazid. Hein? Imam Hussein va l'inviter d'abord. À son invitation, l'un de ses adeptes va s'imposer pour dire à l'imam Hussein de ne pas y aller, puisqu'il pourrait enfermer l'imam là-bas pour qu'il fasse la bay'a par la force, hein? Ou bien il sera tué là-bas. La réponse de l'imam Hussein alayhi salam est ceci. Il dit que inni lasto adkhulu wahdi, que je n'irai pas seul, je ne vais pas entrer dans cette confession là seul, walakin ajma'u ashabi ilayya, j'irai là-bas avec mes compagnons, wa khidami wa ansari, mes servants et ceux qui mes partisans wa ahlil haq, et les gens véridiques, les gens qui suivent la vérité, min shi'ati, qui sont mes partisans. Il dit que summa amuruhum an ya'khudha kullu wahidin sayfahu, et je vais donner l'ordre pour que chacun de ceux-là va faire quoi, prenne avec lui, hein, son épée.
si nous voulons bien faire l'analyse de cette parole-là, déjà, l'imam Hussein alayhi salam, en parlant de la sorte, il savait déjà, regardez, il savait déjà qu'il n'y avait plus question de traiter avec cela. Parce qu'à la fin de la parole, il dit qu'il va demander à tous ces partisans-là qui vont le suivre, hein, de prendre avec eux leur épée. Soit hein, qu'il reste en vie et règne, hein, dirige la communauté musulmane sur la bonne voie, et qui, ou bien qu'il meure. Mais faisant allégeance à Yazid était de faire l'allégeance directe à Shaitan, puisque cela était clair que Yazid avait déjà l'intention d'anéantir l'islam de sa source. Je dis bien de sa source. Voilà pourquoi lorsque vous allez étudier les différentes paroles de l'imam Hussein alayhi salam, concernant quoi? Concernant l'événement de Ashura, il parle, lorsqu'il parle de sa sortie, pourquoi il est sorti contre Yazid et pourquoi il ne va pas accepter de se soumettre, hein, même pas, comment on appelle, pas un petit point de choses, comme on appelle, de traiter avec Yazid, il ne va même pas se soumettre. Lorsqu'il parle de cela, vous allez savoir déjà que l'imam Hussein alayhi salam savait déjà comment aller, comment on appelle les choses, en direction du martyr. Parce que cela était clair. Parce que vous n'allez pas voir, par exemple, l'imam Ali alayhi salam ou bien l'imam Hassan alayhi salam, tout cela vont mettre des stratégies en place pour que l'islam authentique va faire quoi? Reste. Mais lorsque l'imam Hussein alayhi salam va voir tous ces enseignements-là déjà en danger, et que si lui, il venait faire l'allégeance, hein, ou bien il faisait l'allégeance là-bas, étant à Médine, hein, pour Yazid, alors Yazid allait propager, hein, cette conviction de, comment on appelle, de l'impiété, de la mécréance, et l'islam allait avoir une autre couleur. Voilà pourquoi l'imam Hussein devait protéger l'islam, hein, sur deux aspects, ou bien disons par un seul choix parmi deux. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Par un choix parmi deux options. Soit c'est le martyr, soit Yazid se soumet et va lui suivre. Mais compte tenu que cela, en réalité, il n'était même pas prêt pour faire quoi, hein, il n'avait pas dans leur idée de se soumettre vis-à-vis des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme aussi ses grands-parents l'avaient fait, alors vous allez voir que ces événements-là vont être poussés envers le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Ici, comme je l'ai dit, il y a un passage de la parole de l'imam Bakir. Mais avant de lire la parole de l'imam Bakir, vous allez voir que dans la parole ici, il dit après l'histoire de Muawiya, lorsqu'on a dit que après, lorsque Muawiya a vu que les vertus de Ousmane ont été nombreuses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à ses agents de faire quoi? De fabriquer d'autres vertus pour, comment on appelle, les compagnons et surtout les khalifs qui ont précédé. Donc,
L'événement, le résultat, il dit, c'est ici. Le résultat, il le dit ici. Le résultat de quoi? Le résultat de ce que Mouawiya avait demandé. Il dit que cela a amené à la fabrication de beaucoup de hadiths. Donc les générations qui ont suivi, telles que les jurisprudents, telles que les jurisprudents et ceux qui ont dirigé les grands savants de l'islam, lorsqu'ils sont venus à leur tour, ils se sont attachés à ces mêmes paroles-là, sans des vérifications. Sans des vérifications. Ils se sont attachés à ces paroles-là. Et lorsqu'ils se sont apparus, lorsqu'ils se sont attachés à ces paroles-là, automatiquement, vous allez voir que ceux-là vont mettre en pratique ce qui n'a pas été réel en islam. Donc, lorsque je vous dis que c'est l'islam sunnite qui a été, apparu au cours de l'histoire, mais pas l'islam chiite, Puisque l'islam sunnite est venu s'attacher à beaucoup d'hadiths qui sont quoi? Qui n'ont pas été authentiques, qui n'ont pas été authentiques et qui touchent même les principes de la religion. Et parmi ces principes-là, c'est la succession du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous allez voir que je ne sais pas si vous avez vu cet aspect-là. On a dit que c'est lorsque les principes de l'islam sont quoi ont été prouvés chez nous que nous allons nous attacher à la jurisprudence, n'est-ce pas, aux branches de l'islam. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a l'impact des principes de la croyance aussi sur la jurisprudence. Parce que la jurisprudence, c'est quoi? C'est les lois et les dispositions de l'islam. Donc, ceux qui n'avaient pas la croyance, ou bien ceux qui, par exprès, par ambition, suivez-moi ici, je vous demande, ceux qui, par ambition, de leur passion, ont eu à ne pas suivre les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur propre intérêt, ils étaient aussi obligés de fabriquer des hadiths de la jurisprudence qui va être dans leur intérêt. Qui va être quoi? Dans leur intérêt de jugement et autre chose. Donc, voici un impact que cela va avoir sur ces hadiths-là. Donc, une fois encore, je vous dis que tout ceci prouve que l'islam sunnite s'est apparu au cours de l'histoire compte tenu des gens qui se sont opposés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si cela, à l'intérieur de l'islam, s'était pas opposé à Ahlul Bayt et aux enseignements de Ahlul Bayt, nous allions avoir une seule école en islam qui était le chiisme. Dans la parole de l'imam Bakir, il dit quoi? Il dit que wa kana azma zalika wa uzmu zalika wa kibruhu zamana Muawiya ba'da maut al-Hasan fa qutilat shi'atuna bi kulli balda. C'est une longue parole, je ne l'ai pas pris au début, même s'il a parlé de ces massacres là encore, mais puisque je parle de l'imam Hussein alayhi salam ici, et que nous avions eu à relater aussi hier ce qui s'est passé à l'époque de l'imam Hassan, il dit que après la mort de Hassan, l'imam Hassan alayhi salam, qutilat shi'atuna bi kulli balda, nos adeptes, les partisans qui étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, étaient tués dans chaque ville, était tué dans chaque ville. Wakute atil aidi wal ardul, et leurs pieds, leurs mains et leurs pieds étaient coupés. Leurs mains et leurs pieds étaient
poupée. وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجنا أو نهب ماله. Il dit que tous ceux, toute personne qui parlait de notre amour, qui parlait de l'attachement à nous, les gens d'Ahlul Bayt, on l'emprisonnait, on emprisonnait ces gens-là, et ou bien on les arrachait toutes les richesses, tout ce qu'ils avaient à leur, possession. Et au Hudimat Daru, leur maison était cassée. Leur maison était cassée. Summa lam yazalil bala ou yashtaddu wa yazdadu ila zamanu Ubaydullah ibn Ziyad. Il dit que la situation est restée de la sorte jusqu'à l'époque de Ubaydullah ibn Ziyad. Les gens étaient tués, ils étaient massacrés, les maisons étaient cassées jusqu'à l'époque de qui? Jusqu'à l'époque de Ubaydullah ibn Ziyad, Qatil al-Hussein, celui qui avait tué l'imam Hussein alayhi salam par l'ordre de qui? Par l'ordre de Yazid. C'est bien lorsque on étudie l'histoire, parce que Ubaydullah ibn Ziyad, il était l'agent de Yazid. Où ça? Où ça? À Koufa. À Koufa. Summaja al-Hajjaj. Après lui, Hajjaj est venu. Fakatalahum kulla katla. Il les a massacrés de toutes les manières. Il les a massacrés de toutes les manières. Hatta anna rajul, j'ai sauté. Il dit Hatta anna rajul la yukolu lahu zindig. أو كافرون حب إليه من أن يقال شيعته علي. Jusqu'à ce que, il dit que tellement que les chiites étaient massacrés et que au cours de ces massacres, tellement que les gens, ils avaient peur, tellement qu'ils avaient peur, il était mieux de dire à quelqu'un, tu es un impie, tu es un mécréant. Il dit que cela était plus mieux de dire à quelqu'un partisan d'Ali, adepte d'Ali, chiatou Ali. Parce que si tu lui disais cela, vous ne pouvez pas savoir ce qui pouvait l'arriver ou bien ce qu'il pouvait lui-même aussi imaginer. C'est-à-dire que le mot Shi'atu Ali était détesté de la sorte. Voilà cette hostilité-là qui se déroulait envers les partisans, ceux-là qui étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète lui-même a appelé les gens de faire de la sorte. Wa hatta sara ar-rajul allazi يذكر بالخير ولعله يكون ورعا صادقا يحدث بأحاديث عظيمة عجيمة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاد ولم يخلق الله تعالى شيئا منها ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب أنها حق لكثرة من قد رواها ممن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع ممن لم يعرف Bekesbin, voilà, Bekillati, Warahim. Il dit de la sorte que ça a été ainsi jusqu'à ce que, parce que tellement que ces vertus-là avaient été, avaient été rapportées et attribuées à ces gens-là, les gens qui ont précédé, c'est-à-dire les califes, tellement que ces vertus-là étaient nombreuses, que chaque personne qui venait après cela n'aura aucun doute concernant ces paroles-là et qu'il sera attaché à ces paroles. Vous avez vu? Donc, en réalité, ces hostilités étaient des hostilités afin d'anéantir
ceux qui étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cette école qui avait les enseignements authentiques de l'islam disparaisse totalement sur la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils veulent éteindre la lumière d'Allah, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va, faire atteindre la lumière à son objectif, et que même si les mécréants ne veulent pas cela. Walhamdulillahi rabbil alamin.